mairie de Bayeke vous offre des milliers d'hectares de terres fertiles pour vos investissements en agriculture. Sous la direction de Sa Majesté, Mwami Mwendabantoumou Nongo Godefroy Junior se range derrière la vision du chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la lutte contre la famine et l'insécurité alimentaire des Congolais. En effet, on a commencé avec le projet agropastoral. Mais après, nous avons commencé à un niveau plus accéléré, il y a 2-3 ans, avec ou grâce aux redevances minières. Parce que les mines finiront un jour. Voilà pourquoi pour nous, il est très très important d'attaquer l'agropastoral maintenant. Elle-même, la chefferie de Bayeke, ayant déjà investi des gros moyens dans ce secteur, elle reste ouverte à tout investisseur loyal, agriculteur, pour une autosuffisance alimentaire. Nous sommes très ouverts et nous n'avons pas de capitaux pour faire tout seul. C'est une obligation d'avoir des partenaires afin d'industrialiser ce que nous voulons faire. Il est indéniable que, vu l'étendue des terres arables que nous avons, on ne peut pas réussir seul, ni seulement de la province ou de la République. C'est vrai, dans le cadre des 145 territoires que le président a transformé des territoires, l'agropastoral est prioritaire. On va collaborer. Mais notre niveau de capitaux d'investissement n'est pas aussi élevé. Donc c'est ouvert à des partenaires tant africains qu'extérieurs. Nous sommes bénis, vraiment bénis, avec la fertilité, les puits, etc., etc. Il y a même des endroits où on n'a pas besoin d'engrais de NPK pour enrichir le sol afin de produire. C'est naturel. Avec ces routes construites, le transport des personnes et de leurs biens est assuré. La chefferie de Bayeke vous accompagne dans cet investissement salutaire pour l'ensemble des Congolais. La chefferie de Bayeke met également à votre disposition des engins agricoles pour vous permettre d'élaborer plusieurs hectares. Voilà pourquoi nous allons développer bientôt l'irrigation. Okay. On va s'y mettre. Nous avons des partenaires d'Égypte et d'ailleurs qui vont venir. C'est juste les encourager à prendre au sérieux la situation, les crises qu'il y a tant en Europe comme en Ukraine ou ailleurs, afin de pouvoir produire localement pour être autosuffisant. Ainsi, la chefferie de Bayeke reste convaincue de la diversification de l'économie pour améliorer le social du Congolais, mais surtout l'investissement en agriculture pour une économie forte, durable et inépuisable.